Action. Je suis certaine qu'il ne me mentait pas. Avec une vingtaine de réalisations chaque année, des longs-métrages, des courts-métrages ou des séries TV comme ici près d'Amboise, la région Centre est devenue en 20 ans une véritable terre de tournage. Un travail de fond que l'on doit à l'Agence pour le cinéma cyclique, mais aussi à la multitude de décors qu'offre le pays des rois de France et la vallée de la Loire. Bon, je pense que la vallée des rois de France est connue dans le monde entier, donc je pense que vous avez aussi des tournages qui viennent de tous les pays hein, pour venir ici, parce que c'est sûr que c'est un attrait formidable, tous ces châteaux. 6 fois 52 minutes, produit pour France 3, par Image et Compagnie, avec Macha Merrill et Fanny Cottençon. Un tournage sur 3 mois et des arguments de production. En fait, ce qui nous a intéressé ces régions centres, effectivement, c'est la proximité. Grâce au TGV, en une heure, on est à Paris, on peut faire des allers-retours très vite, ce qui nous permettait, comme nous sommes dans une économie maîtrisée pour ce tournage, ce qui nous permettait d'avoir des allers-retours, pardon, faire des repérages, etc., dans la journée, revenir le soir, et même lorsque le tournage allait débuter, avoir des... Par exemple, lorsque des comédiens ont des trous entre 2 ou 3 jours de tournage, pouvoir les faire rentrer très rapidement, etc. Donc c'est cette rapidité de départ et d'arrivée qui nous a intéressés pour rester dans l'économie de notre film, effectivement. Des productions qui font aussi appel à la main d'œuvre locale, coup de pouce pour ses compétences spécialisées. Ça nous permet d'avoir quelque chose de stable pendant plusieurs mois. Hein, là, avec la préparation, moi, ça va faire au total 4 mois de travail. Sur vos écrans, fin 2013. Coupé. Allez, on...